Le multiplexage, nous allons conclure tous les concepts liés donc à la couche physique du modèle OSI. Donc, on va terminer donc cette partie et on va revenir sur les exercices de la série numéro 1 pour la terminer. Donc, préparez déjà la série numéro 1, mettez-la à côté. Comme ça, dès qu'on terminera le concept du multiplexage, on terminera les exercices que nous avons commencés la dernière fois. Voilà, bien sûr, quelqu'un donc doit se charger d'enregistrer cette vidéo, donc pour la garder au niveau du drive. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un prend en charge l'enregistrement de la séance. Oui, bon. Très bien. Et on commence. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, c'est quoi le multiplexage? En fait, on dit que pour optimiser l'usage des canaux de transmission, les opérateurs ont développé des techniques qui regroupent plusieurs communications sur un même support de transmission et on appelle donc cette technique le partage de canal. Donc finalement, le multiplexage, c'est quoi? Le multiplexage, c'est consiste à regrouper plusieurs lignes physiques, d'accord? Donc imaginez-vous que vous avez par exemple que vous avez à relier par exemple deux LAN. Et entre les deux LAN, chaque LAN, par exemple, contient 50 machines. Vous avez deux LAN à interconnecter. Chaque LAN contient une cinquantaine de machines. Donc, pour relier ces deux LAN-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de tirer, bien sûr, 50 câbles, ce qui n'est pas donc opérationnel, ce qui n'est pas vraiment pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les communications. En fait, c'est ce que vous faites aussi quand vous utilisez des switches et que vous utilisez des routeurs. En fait, c'est un petit peu le concept de multiplexage. Parce que vous regroupez toutes les connexions au niveau d'un matériel. Ensuite, le switch ou le routeur sera connecté vers le routeur, c'est-à-dire le routeur du LAN 1 sera connecté vers le routeur du LAN 2 à travers un seul câble. Donc, on va voir en détail le multiplexage. Mais en gros, le multiplexage, c'est ça. Le multiplexage consiste à regrouper plusieurs supports de communication sur un seul support qu'on appelle une voie partagée ou une ligne de transmission partagée. Elle est partagée parce que toutes les caractéristiques de cette ligne seront partagées entre les 50 utilisateurs de part et d'autre. Le partage de canal au niveau du multiplexage peut se faire de différentes manières. Nous avons deux types d'allocations. On va essayer d'expliquer par la suite à travers un schéma pour mieux comprendre. Nous avons deux types d'allocations au niveau du multiplexage. On parle de l'allocation statique. Alors, ça veut dire quoi une allocation statique? Lorsqu'une fraction de la capacité de transmission de la ligne est mise de façon permanente à la disposition de chaque voie ou canal de transmission. Donc, dans une allocation statique, chaque voie, c'est-à-dire chaque PC ou là, chaque équipement ETTD, je vais lui allouer une fraction constante statique de la capacité de la ligne partagée. Par contre, dans une allocation dynamique, les durées d'allocation sont variables suivant le trafic de chaque voie. Donc, vous allez comprendre. Le partage statique met en œuvre des équipements de type multiplexeur. Donc, quand il s'agit de faire une allocation statique, on parle beaucoup plus d'équipements qu'on dit multiplexeurs. Et le partage dynamique peut être réalisé à l'aide d'équipements spécialisés de type concentrateur. C'est-à-dire qu'un pôle concentrateur, ça veut dire commutateur. On parle de tout ce qui est concentrateur, commutateur, etc. Alors, d'abord, avant donc de rentrer, parce que j'estime que ça, c'est des détails, on va d'abord essayer d'expliquer le multiplexage, c'est quoi? Pour mieux comprendre. Voilà. Donc, essayez d'examiner un petit peu cette figure. Le multiplexage que vous voyez sur cette figure consiste à quoi?
Il consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison qui est dite voie haute vitesse, ce que vous voyez le HV ici. Le HV veut dire voie haute vitesse. N'smouha aussi une ligne composite ou l'n'smouha aussi une ligne partagée. Donc regardez la ligne qui se trouve au milieu entre les deux multiplexeurs. N'smouha une voie haute vitesse ou là une ligne composite ou là une ligne partagée. Donc le multiplexage c'est quoi? Il consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison dite voie haute vitesse des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements, émetteurs et récepteurs. Chaque émetteur, respectivement récepteur, est raccordé à un multiplexeur ou respectivement démultiplexeur par une liaison dite voie basse vitesse. Donc si j'utilise d'un côté un mux, de l'autre côté j'utilise un démux. D'accord? Regardez, dans le multiplexeur, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les liaisons basse vitesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière des liaisons basse vitesse? Il y a des ETTD. D'accord? C'est comme si j'ai par exemple 50 PC, 50 ordinateurs. Je vais relier mes 50 ordinateurs sur un seul multiplexeur. À partir du multiplexeur, on va une ligne haute vitesse, wahda. Donc déjà, en termes de coût, au lieu de tirer 50 câbles, par exemple, si j'ai 50 ordinateurs, au lieu de tirer 50 câbles entre chaque émetteur et récepteur, je vais regrouper mes 50 liaisons basse vitesse au niveau d'un multiplexeur. Une seule liaison haute vitesse. Voilà, une seule liaison haute vitesse parce que les capacités de la liaison en général, elles sont supérieures aux capacités de les lignes basse vitesse. En général, c'est la somme. On va voir des lois après qui disent que les capacités de la ligne haute vitesse en termes de débit, en termes de rapidité, c'est la somme des capacités des lignes basse vitesse. Donc, on charge une seule voie haute vitesse. Au niveau récepteur, on a un démux pour pouvoir départager donc le signal et je vais envoyer chaque portion de signal à son récepteur respectif. Donc, c'est ça le multiplexage. Quand on dit multiplexage, c'est ça. Regrouper plusieurs lignes voie, basse vitesse, ce qu'on appelle basse voie basse vitesse, dans un multiplexeur, on va faire sortir une seule ligne qu'on appelle la ligne haute vitesse. Au niveau du récepteur, nous avons un démux où nous allons partager le signal et faire transmettre chaque portion de signal à son récepteur respectif. Nous allons voir un premier type du multiplexage, le multiplexage fréquentiel. D'accord, il existe plusieurs types de multiplexage. Nous allons voir donc un premier type de multiplexage, le multiplexage fréquentiel. Alors, n'oubliez pas les notions les chunahoum, l'allocation statique, l'allocation dynamique. Au fur et à mesure qu'on va avancer au niveau du multiplexage, je vais revenir sur ces notions-là. D'accord? Pour le moment, ce que vous retenez que le multiplexage consiste à regrouper plusieurs lignes basse vitesse au niveau d'un mux, de faire sortir une seule ligne haute vitesse qui assure la communication entre l'émetteur et le récepteur. Et au niveau du récepteur, on va essayer donc de faire ce qu'on appelle l'opération contraire. Donc, on a regroupé des lignes au niveau d'un mux. Donc, on va dire que la voie haute vitesse, on va essayer de la décomposer en plusieurs lignes et de faire transmettre chaque portion du message au niveau du récepteur. D'accord. Et d'avoir le multiplexage bisrifa'am. Voilà. Donc, là, on va donner quels sont les deux types de multiplexage. En fait, on va voir, le cours Tana, on va voir deux types de multiplexage. Le multiplexage fréquentiel et le multiplexage temporel. D'accord. Et on va essayer d'expliquer donc chaque type de multiplexage. Nebda ou le multiplexage fréquentiel. Je reviens dans deux minutes. Consiste en quoi le multiplexage fréquentiel? Le multiplexage fréquentiel permet de diviser ou partager la bande de fréquence disponible sur la voie haute vitesse en une série de canaux de plus faible largeur. Voilà.
Donc, quand on parle de fréquence, c'est quoi? Quand on dit un intervalle de fréquence, c'est un intervalle, donc c'est comme la notion de bande passante qu'on a déjà vue, le W, c'est quoi? C'est un intervalle de fréquence, les fréquences qui sont correctement transmises sur un canal. Eh bien, les fréquences qui sont correctement transmises sur un canal, ou chahendirulhom, rahnaqsmuhom en plusieurs sous-canaux. C'est-à-dire, il y a l'intervalle de fréquence, par exemple, d'y aller entre 100 et en colo, entre 100 et 1000. Par exemple, je prends un exemple. Qu'est-ce que je fais? La voie haute vitesse d'y aller, elle accepte des fréquences de 100 à 1000 Hz. Donc, elle dit, c'est la voie haute vitesse. Ou en plusieurs sous-canaux. On colle par exemple la fréquence 100 à la fréquence 300. Elle a l'intervalle où elle a le premier couloir, la voie basse vitesse qui véhicule le signal 1. Le signal 2, n'a-t-il la fréquence entre 350 par exemple et 450 par exemple. Le couloir 3, n'a-t-il 500 et 650 par exemple. Donc, où est-ce chaque signal qui correspond à un ETTD relié par une voie basse vitesse au multiplexeur fréquentiel, il va y avoir une plage de fréquence. Et donc, la voie haute vitesse, la voie haute vitesse qui relie le mux au démux, où est-ce qu'il des canaux de fréquence. C'est-à-dire qu'il va tout en même temps. Le multiplexage fréquentiel, les canaux de fréquence, il va tout en même temps. Il va le signal le premier, en parallèle avec le signal de la deuxième, en parallèle avec le signal de la troisième PC, etc. Tel le signal de le énième PC. Rahit Bato en parallèle. Chacun, il va avoir son propre couloir, sa propre plage de fréquence. Voilà. Au niveau du démux, au niveau du multiplexateur, démultiplexateur fréquentiel, qu'est-ce qui va se passer? Je vais partager chaque signal, son récepteur respectif. Donc le signal modulé 1, il aura le canal 1. Le signal modulé 2, il aura le canal 2. Le signal modulé 3, il aura le canal 3. Et vous remarquez qu'entre les plages de fréquence, nous avons toujours une bande de séparation. Où je maintiens une bande de séparation? Maintenant, il y a la plage de fréquence, c'est le signal modulé 1, qui marque comme 100, le 300. La deuxième plage de fréquence, c'est le 300. C'est par exemple 350. Nous avons toujours les 50 Hz. Séparation entre les deux plages de fréquence. Aoualen, pour éviter les interférences, les fréquences d'y aller, les signaux, ils ne se superposent pas. Et deuxièmement, pour assurer une communication sans erreur. Donc c'est ça. Il faut toujours la plage de fréquence séparée, les séparer par ce qu'on appelle une bande de séparation. C'est le principe du multiplexage fréquentiel. Et donc ce qu'il faut retenir, que la transmission des signaux se fait en simultané. D'accord? La transmission des signaux se fait en simultané. Alors, est-ce que Femto, le multiplexage fréquentiel? Madame, donc le Oui. multiplexage fréquentiel, Oui. les signaux, ils sont différenciés par leur plage de fréquence, c'est ça? Exactement, oui. Les signaux sont différenciés par leur plage ou leur intervalle de fréquence. Où chaque signal est bête en simultané avec le deuxième signal. Pardon, il y avait des questions, j'ai pas. En fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des questions? Exactement. Alors, je n'ai pas compris. Où je me fais un petit cheveu multiplexage fréquentiel? Avec une bande de fréquence, smira en plusieurs canaux. On bat chaque signal, l'hydrole fait le mux, une plage de fréquence, moyenne, il te bat faire. Alors, attendez des exemples d'un multiplexage fréquentiel.
Dans la vie commune, on a ce qu'on appelle un multiplexage fréquentiel qu'on utilise dans la vie commune. Wi-Fi, madame, par exemple. Pardon? Wi-Fi, par exemple. Il faut être plus précis. On a plusieurs, par exemple, on a plusieurs appareils connectés. Et pour. Oui, j'ai compris le Wi-Fi. Ça a donné un exemple plus précis. La radio. Alors, qu'est-ce que vous venez de dire ce matin, Maureka? La radio. Exactement, la radio. La radio est un exemple concret de ce qu'on appelle le multiplexage fréquentiel. Lorsque vous ouvrez votre chaîne radio, vous captez combien de fréquences? Qui te hello la radio ta comme je sais. Voilà, plusieurs fréquences. La chaîne 3, Radio Al-Behja, Ida'at Al-Qur'an Al-Karim. Hadou, c'est quoi? C'est des données qui sont transmises d'un émetteur vers vous, le récepteur. Comment ces données sont transmises? En fait, il y a des plages de fréquences. D'accord? Chaque radio a sa plage de fréquence. Ida'at Al-Behja a une plage de fréquence. Elle émet sur ses ondes radio. La chaîne 3, elle émet sur une onde radio bien précise, un intervalle de fréquence bien précis. Donc, au Chisra, les ondes de fréquence, chaque radio a sa plage de fréquence sur laquelle elle envoie. Vous comprenez? Donc, on partage une plage de fréquence commune à toutes les transmissions sans fil et on les partage. Donc, la radio est un exemple concret de ce qu'on appelle le multiplexage fréquentiel. Vous avez la télé aussi, c'est le même principe. La télévision. Sur votre télévision, vous captez plusieurs signaux qui viennent par exemple par satellite. Mais au chenou, tout signal a une plage de fréquence moyenne. Donc, l'exemple de la radio et l'exemple de la télévision sont des exemples concrets de ce qu'on appelle le multiplexage fréquentiel. Puisque l'antenne reçoit en même temps plusieurs signaux et chaque signal est modulé avec une porteuse unique qui est spécifique à chaque radio, à chaque chaîne de télévision ou là, à chaque chaîne radio ou à chaque chaîne de télévision. Donc, le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner le canal qu'il souhaite réceptionner, d'accord? Il va ajuster son récepteur au niveau de la porteuse du canal choisi et il va recevoir les canaux. D'accord? Donc, c'est le principe du métier. Oui. J'ai une question. Madame, par exemple, l'exemple, tu as des chaînes, tu as la télévision pour la fréquence. Oui. Des fois, elles changent. Là, on peut parler d'allocation dynamique. Là, pour le moment, on est au niveau de l'allocation statique. L'allocation dynamique. D'accord. Là, on est l'allocation statique. Voilà, parce que, par exemple, cette chaîne a une plage de fréquence. Bon, maintenant, elle change. C'est vrai, parfois, il bute de l'eau. Et la chaîne de télévision ou l'être, je transmets plus sur ces ondes, mais sur d'autres zones. En fait, on parle d'allocation dynamique, et je l'ai mentionné ici, lorsque la durée d'allocation sont variables, d'accord, suivant le trafic de chaque voie. Les durées d'allocation. Mais d'accord, ce n'est pas l'allocation elle-même, c'est la durée d'allocation. On va voir, on va revenir à ça. Pour le moment, au niveau du multiplexage fréquentiel, c'est un multiplexage statique. Pourquoi? Parce que chaque voie basse vitesse va transmettre sur un intervalle de fréquence bien précis. D'accord? Donc, c'est statique. Hadja ma tbeddelch. Bon, même il tbeddelt, il tbeddel l'intervalle. D'accord? Mais l'allocation au niveau du temps, elle ne change pas. Donc, on parle pour le moment, pour le multiplexage fréquentiel, on parle d'allocation statique. Alors, qu'il y a une des lois, d'accord, qui gère le multiplexage fréquentiel ou le multiplexage de façon générale. Il y a des lois. Par exemple, la première loi, elle dit que si BP, c'est la bande passante de la voie haute vitesse, d'accord, il y a qu'un BP ou la W, parce que nous avons la bande passante W. Donc, soit BP ou W, la bande passante de la voie haute vitesse, et BPI, la bande passante de la ligne basse vitesse. La ligne, les trolls, le multiplexeur, il y a la ligne basse vitesse.
ou la ligne les trois du multiplexeur, il y a la ligne haute vitesse. Donc, la bande passante, la bande passante de la voie haute vitesse ou la bande passante de la voie basse vitesse. Donc, le canon qui réunit les deux relations, c'est la somme des bandes passantes I est toujours inférieure ou égale à la bande passante de la voie haute vitesse. Ça veut dire qu'il y a les bandes passantes de la voie basse vitesse, qu'il y a la somme est inférieure ou égale à la bande passante de la voie haute vitesse, qui est logique. Parce que les bandes passantes à les voies basse vitesse sont en une seule voie. Donc la bande passante à la voie haute vitesse, la somme des bandes passantes des lignes basse vitesse. Et à partir de là, on peut déduire aussi que si C est la capacité de la ligne composite ou de la ligne haute vitesse, et DI, c'est le débit du IM terminal, donc la ligne basse vitesse. Donc, on dit que la capacité de la ligne haute vitesse est supérieure ou égale à la somme des débits des lignes basse vitesse. De même, pour la rapidité de modulation du multiplexeur, RMUX, la rapidité de modulation du multiplexeur, c'est la somme, elle est égale à la somme des rapidités de modulation des lignes basse vitesse. Alors là, il y a une remarque importante. On vous dit que le multiplexage fréquentiel est uniquement possible avec la transmission analogique. Ça veut dire, en général, quand on dit multiplexage fréquentiel, ça veut dire qu'on utilise là, une transmission analogique. Donc, on a donné l'exemple de la radio et l'exemple de la télévision qui transmettent en fait des transmissions analogiques. Et Fourier a montré avec la transformée de Fourier la possibilité de retrouver des signaux analogiques, donc des signaux sinusoïdaux, à partir d'une somme de signaux. Ceci n'est pas possible avec un signal numérique. C'est-à-dire que le signal analogique, nous devons mettre plusieurs signaux, sous-signaux, pour retrouver un signal global. Alors que, ou plutôt décomposer plusieurs signaux analogiques en plusieurs sous-signaux. Chose qu'on ne peut pas faire avec le signal numérique. D'accord ? Donc, quand on parle de multiplexage fréquentiel, donc retenez une chose, le multiplexage fréquentiel consiste à partager la bande passante de la voie haute vitesse en plusieurs sous-canaux, d'accord ? Et c'est un multiplexage qui est spécifique aux transmissions analogiques. Maintenant, on va passer au multiplexage temporel. Avant de passer donc au multiplexage temporel, je vais vous donner donc un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est le multiplexage fréquentiel. Madame, j'ai une question. Oui. Madame, par exemple, si on travaille avec la modulation fréquence pour décoder un message, par exemple. Oui. On travaille avec FSK. Comment le multiplexeur va différencier entre un signal d'un appareil et d'un autre? Si on a une modulation avec FSK. Le multiplexeur, il n'a pas à différencier. Le multiplexeur, quel que soit le type de modulation, tel modem, FSK ou la ASK ou la PSK, mais Hemsh, multiplexeur ou Shider, chaque signal, il y a un intervalle de fréquence. Donc le multiplexeur, mais il ne va pas faire le travail du modem. Le modem, il va faire comme il veut. Donc l'FSK va, il faut que la modulation, si on travaille avec cette modulation, il faut que les deux fréquences appartiennent à la plage d'adresse. Dans le FSK, le changement de fréquence est relatif par rapport à ce qu'on appelle un période, un delta. Une période, c'est ça le FSK. Le FSK ou Shisra, qui dit une modulation de fréquence. Au niveau de chaque moment élémentaire, tu transmets avec une fréquence. Par exemple, tu transmets avec une fréquence F la première fois, ou bien au niveau du deuxième delta, tu transmets avec une fréquence double ou la triple. Tu vois, tu fais une différenciation entre les combinaisons de bits TAC à travers la fréquence. Mais le multiplexeur, non, le multiplexeur, il met chaque signal d'une voie basse vitesse où il y a une plage de fréquence. Tous les deux utilisent la fréquence, mais ils ne l'utilisent pas de la même sorte. Ou ma bezou dit la fréquence. Wahdi, il différencie la fréquence. Il différencie entre les états des bits 001.
باش نفهم باش المودم تاعي يقول للريسيبتور بلي راح نبعث لك اون كومبينيزون دو 3 0 باش الريسيبتور يفهم بلي هذه كومبينيزون تاع 3 0 يستعمل اون بلاج دو فريكونس maintenant الا لا كومبينيزون تاع لي بيت تبدلت ولات 0 0 1 يستعمل اون فريكونس دوبل ولا اون فريكونس تريبل باش يفرق بين وي لا بلاج دي تاع لي فريكونس لوس لو مودم لو مودم اللي حيوتيليزيها elle doit appartenir à la plage تاع الاخر تاع la voix basse. هذه لا كيسيون والله العظيم غير جو سي با است كو لا فريكونس اللي حيستعملها في الاف اس كا هي لا ميم اللي راح تكون في الانترفال دو elle doit appartenir à la plage تاع la basse logiquement je dirais oui logiquement oui parce que si je travaille avec une fréquence ومن بعد انا جو دو ايميتر دون ان انترفال لازم لا فريكونس تاعي تكون في هذاك الانترفال سي لوجيك باغ اكزومبل في اس كان اون ترافاي افيك دوبل فريكونس Si la double fréquence n'appartient pas à la plage, oui, bien sûr, je ne pourrais pas émettre, c'est normal. Ah, c'est logique. C'est-à-dire, si j'utilise une fréquence, l'asthme au niveau de la voie haute vitesse, l'intervalle est fait avec la fréquence. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Bon, fait la FSK, il y a les plages avec les mobiles, les milieux appartiennent à la plage. Exactement, oui. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser une fréquence, ou je ne peux pas utiliser l'intervalle avec la fréquence. Oui. Donc, je voulais vous donner un deuxième exemple du multiplexage fréquence. Oui. Oui. Attends, on va retourner à la page précédente. Allez. Oui. Donc, ici, la bande passante de la voie haute, elle est supérieure ou égale à la bande passante des... Toujours. Oui, toujours. Pourquoi supérieure? Pourquoi pas égale? Pas égal parce que déjà en termes de fréquence je fais il y a des intervalles chauffés déjà en termes de fréquence quand on a la droit à la fréquence chauffé un signal modulé on a toujours des bandes de séparation ah voilà c'est bon j'ai compris c'était simple pour la bande de séparation oui merci. Voilà donc c'est toujours supérieur ou égal donc je voulais donc donner un autre exemple à le multiplexage fréquentiel. On trouve également donc un bon exemple de l'utilisation du multiplexage fréquentiel au niveau de l'ADSL, le Asynchronous Digital Subscriber Line. Le principe de l'ADSL, c'est quoi? En fait, l'ADSL est né. L'ADSL est né de l'observation qu'une ligne téléphonique possède une bande passante d'environ 1 MHz, dans laquelle. Il y a en réalité la ligne téléphonique a une bande passante à 1 MHz. Sahna, vous vous rappelez, on a déjà donné la bande passante à une transmission téléphonique dans laquelle seule une largeur de bande de 4 kHz est utilisée pour les communications téléphoniques. Parce que on a déjà donné la bande passante à la ligne téléphonique, on l'a donnée déjà, elle était comprise entre... on a donné un intervalle. Ce qui fait que l'essentiel, c'est qu'avec l'intervalle, il permet une bande passante de 4 kHz. Alors, puisqu'un je consomme un câble, il me permet d'envoyer 1 MHz de bande passante. Ou un les transmissions téléphoniques, on utilise 4 kHz. Donc, où je donc, il reste donc une bande passante importante qui est disponible pour un autre usage. Et c'est là que le multiplexage en fréquence est intéressant. Vous avez aussi de l'internet sur votre PC. Comment vous arrivez à faire ça? C'est grâce au multiplexage fréquentiel. D'accord? Le modem t'a commoucheider. Semna la bande passante, la transmission téléphonique. Une bande passante, on l'a réservée exclusivement pour la communication téléphonique, les 4 kHz. Ou la bande passante, les qadit, on a fait la data. Donc, la data. Et la voix sont transmises en parallèle, chacune a une plage de fréquence. Elle a dit que tu peux utiliser le téléphone ou tu peux utiliser la connexion Internet en même temps. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, quand on voulait se connecter à Internet, on n'avait pas de modem. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Je me rappelle qu'on retirait le câble téléphonique. Et en fait, on avait un modem. Ça veut dire que le modem, il y a un multiplexage fréquentiel. Donc, on retirait le câble de téléphone.
نبرانشيو الكابل تاعنا تاع لا كارت ريزو في المودم ومن بعد نبرانشيو المودم تاعنا في التليفون دونك اون كوندامني لو تليفون سيتادير كو اون ريسيفي اونيكمون دو لا داتا اي اون بوفي با يوتيليزي لو تليفون مي ابري grâce à cette notion de multiplexage fréquentiel où là le modem, il peut vous fournir de la voix et il peut vous fournir de la data en même temps, sans que chaque, c'est-à-dire sans gêner, vous recevez votre fichier, vous téléchargez votre fichier sur votre PC, en même temps, le téléphone peut être utilisé par une autre personne, sans que ça gêne donc ce genre de communication. Donc, c'est un exemple aussi concret du multiplexage fréquentiel. Chaque type de données est envoyé sur une plage de fréquence. La voix sur une plage de fréquence et la data sur une autre plage de fréquence. Donc, qu'est-ce qui permet en fait de faire ça? C'est le multiplexage fréquentiel qui permet d'assurer la transmission de chaque type de données sur une voie de fréquence différente. Voilà, donc la DSL est un bon exemple du multiplexage fréquentiel. Est-ce que j'ai un autre exemple? Non. Il y a un peu de Kane, un autre exemple. Après, je vais vous envoyer au niveau du support du cours, support de cours, pardon, vous pouvez trouver plusieurs types d'exemples sur le multiplexage fréquentiel. Voilà. Donc, multiplexage fréquentiel, partager une bande passante, un intervalle de fréquence entre en sous-canaux et chaque liaison d'un terminal I va être transmise au niveau d'un canal particulier. Maintenant, le multiplexage temporel. Alors, le multiplexage temporel, il est appelé aussi MRT, multiplexage par répartition dans le temps, ou en anglais, TDM, Time Division Multiplexing. Qu'est-ce qui permet de faire le multiplexage temporel? Il permet d'échantillonner les signaux des différentes voies basse vitesse et de les transmettre successivement sur la voie haute vitesse en leur allouant la totalité de la bande passante. Voilà. Donc, c'est le différence entre le fréquentiel ou le temporel. Le fréquentiel, il se passe en parallèle. En parallèle. Alors que le multiplexage temporel, c'est du successif. Ça veut dire quoi? La bande passante d'y aller, c'est ce qui m'a fait le fréquentiel. Le fréquentiel, la bande passante d'y aller, c'est en plusieurs sous-canaux. Où chaque terminal, il est sur une plage de fréquence. Le temps temporel, elle est là. Chaque terminal pourra exploiter la totalité de la bande passante seulement un وقت معين. Par exemple, on peut le terminal I, la première minute, la cinquième minute, on peut le terminal 1. On va terminal 2, on peut le faire terminal 1, terminal 1, il va terminer le gars, on peut le donner, on peut le faire à partir de 5 minutes jusqu'à 10 minutes, par exemple. On va faire 10 minutes. Les 15 minutes, terminal 3, etc. C'est-à-dire, il y a le taqsim, mais couche sur la fréquence, sur la base de fréquence, mais sur la base du temps. D'accord? Donc, le multiplexage temporel permet d'échantillonner les signaux des différentes voies basse vitesse et de les transmettre successivement. Donc, je vais mettre successivement en rouge, ou là, je vais souligner sur successivement, parce que c'est le contraire du fréquentiel, où on fait les choses en parallèle. Sur la voie haute vitesse, en leur allouant la totalité de la bande passante. L'allocation complète de la ligne aux différentes voies est effectuée périodiquement pendant des intervalles de temps constants qu'on appelle le quantum. L'intervalle pour chaque terminal, donc l'intervalle de temps que je donne pour chaque terminal pour transmettre, c'est le quantum. Donc c'est quoi un quantum? Un quantum, c'est l'intervalle, c'est un temps, d'accord? C'est le temps nécessaire qu'on donne à chaque terminal pour envoyer ces données. Et le temps, il est constant. Il n'est pas dynamique, il est constant. Donc, en fait, on reste toujours dans le multiplexage statique. Parce que le quantum qu'on alloue aux différents terminaux, il est constant. Alors, je venais de dire le multiplexage fréquentiel, il est réservé aux transmissions analogiques. Maintenant, le multiplexage temporel est généralement réservé aux signaux numériques. Les messages de chaque voie sont mémorisés sous forme de bits ou de caractères dans des mémoires tampons du multiplexeur. Donc là, on vient d'apprendre une chose aussi. On vient d'apprendre que le multiplexeur a une mémoire. Il a une mémoire qui est la donnée de la mémoire. Ou la mémoire, c'est le tampon.
Les couleurs. Les couleurs. Utilisez ça. Donc, on va là. Alors, viens. D'accord. Donc, on vient d'apprendre que le multiplexeur a une mémoire. L'insmoha, le tampon. Le tampon, il sert à quoi? Le tampon, il sert à enregistrer le message de chaque ligne basse vitesse. C'est-à-dire multiplexeur ou chidé. Tiens, ramène les étoiles. Tu colories les étoiles. Le multiplexage va prendre le message de la station I. Il va le mettre au niveau de son tampon. On va dire bête sur la ligne. On va dire qu'il classe le canton de la station I. Il a le message de la station Nijaya. Il a fait le mémoire. Ou il bête, etc. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir des transmissions successives sur la voie composite. Est-ce que j'ai des demandes à l'adhésion, non? Alors, je vous donne un exemple pour essayer de comprendre cette notion de multiplexage temporel. Regardez, dans la figure suivante, la figure, elle explicite un système de multiplexage temporel, donc un TDM, est utilisé pour multiplexer quatre signaux numériques. Nous avons quatre signaux numériques. Remarquez que la bande passante de chaque signal ou de chaque canal est de 1200 bits, le débit. Le débit de chaque canal est de 1200 bits par seconde. Chaque canal basse vitesse, chaque voie basse vitesse. Et à 1200 bits par seconde, la voie haute vitesse a un débit de 4800 bits par seconde. Si chacun des canaux transmet à 1200 bits par seconde, à la sortie du multiplexeur, la vitesse minimale de transmission doit être égale à 4800 bits par seconde. Voilà. Et regardez que ma trame, ma première trame, elle est composée de 4 blocs. Le premier bloc, canal 1. Vous voyez, vous remarquez que le premier bloc, le bloc 1, tout le canal 1. On va mettre donc il classe le canton de canal 1. Le canal 2, son deuxième bloc. On va mettre il classe le canton de canal 2, troisième bloc. Le troisième canal, il va mettre le troisième bloc. On va mettre il classe le canal, le message de canal 3, il va mettre le canal 4, son bloc. Et je constitue ce qu'on appelle une trame, où il y a un groupe de paquets qui vient des quatre canaux. Donc, c'est ça le multiplexage temporel. Donc, chaque station I, chaque canal I, n'a pas un intervalle de temps durant lequel il va transmettre son message. Et donc, du coup, je vais avoir un groupe de messages successifs qui vont être transmis l'un derrière l'autre au niveau de la ligne haute vitesse. Au niveau du multiplexage temporel, nous avons deux techniques de multiplexage temporel. D'accord? Donc, le TDM, qui est deux types de TDM, qui est le multiplexage temporel synchrone ou qui est le multiplexage temporel asynchrone. On va essayer d'expliquer la différence entre les deux. Quand on parle de multiplexage temporel synchrone, les quantums sont égaux et alloués périodiquement à chaque équipement. Donc, madame, les quantums sont égaux et alloués périodiquement à chaque équipement. L'adressage, il est implicite. Parce que la belle et le round, un round, si je suppose, si je reprends le dessin de tout à l'heure, il impose le dessin qu'il y a un multiplexage synchrone. Maintenant, c'est toujours canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Il y a toujours le round. En fait, on se met round ou on se met aussi la notion de scrutation. C'est quoi une scrutation? Une scrutation, c'est un passage. 1, 2, 3, 4. Kinder 1, 2, 3, 4, un premier round, se met une scrutation, maintenant un premier passage. Le deuxième passage, 1, 2, 3, 4, deuxième scrutation, etc. Dans le multiplexage temporel synchrone,
il n'est pas nécessaire de connaître l'adresse de l'émetteur. Ou alors, parce que les béliblis, toujours, ils vont émettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. D'accord? Premier round. Deuxième round. 1, 2, 3, 4. Troisième round. 1, 2, 3, 4. Donc, je sais que le premier qui va émettre, c'est le premier. Ou bien le deuxième va émettre après. Le troisième va émettre à la troisième position. Le quatrième va émettre à la quatrième position. C'est toujours comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de connaître l'adresse de l'émetteur parce que je sais que ça va se dérouler dans ce sens-là. D'accord? Et aussi, dans un temps multiplexage temporel synchrone, il y a l'existence d'une mémoire dédiée à chaque ligne ou ETTD pour le stockage de l'information en attente de transfert. C'est-à-dire, il me faut une mémoire parce que le premier terminal a reçu le message, le deuxième terminal a stocké le message dans la mémoire tampon. Le premier, il a chargé le deuxième message. En attendant à être chargé, le troisième message a au niveau du tampon du multiplexeur, etc. C'est le multiplexage temporel synchrone. Quand je dis multiplexage temporel asynchrone, on se met aussi le multiplexage temporel statique, d'accord? Des fois, le multiplexage temporel asynchrone. Dans certains ouvrages, vous trouvez aussi le multiplexage temporel statique. Là, mais qu'est-ce que c'est la notion de le round? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dès qu'il y a quelque chose de prêt à envoyer sur la mémoire, il est automatiquement envoyé. Cela nécessite de rajouter l'adresse de la provenance. Dans le multiplexage temporel asynchrone, l'expéditeur, il hâte l'adresse d'Yalo. Alors, parce que j'ai de la notion de le round ou de la scrutation. Il y a une donnée Wajda ou le Hibad. C'est-à-dire possible que la station I, le canal 1, mais batch, parce que j'ai une donnée à envoyer. Donc, mais batch. Par contre, le canal 2, il y a une donnée à envoyer. Donc, il y a une donnée. Donc, puisque il y a une donnée, il y a l'adresse d'Yalo. Le récepteur, il y a que c'est le canal 2 ou le batch. Moumkin, le canal 3, il n'a rien à envoyer. Le canal 4 va envoyer. Ou le deuxième round, مثلا, le canal 1 va envoyer quelque chose. Alors, normalement, j'ai donné un dessin. Normalement, multiplexage synchrone et asynchrone. Voilà, j'ai expliqué. Voilà. On a donc un doute fermé. La figure a dit bien le multiplexage temporel synchrone. Donc, le TDM est une technique de multiplexage numérique, grâce à la transmission numérique, qui combine plusieurs canaux à bas débit en un canal à haut débit. Donc, Choufouhnaïa, par exemple, un des quatre ordinateurs connectés à un MUX, et de l'autre côté, donc au côté récepteur, j'ai un des MUX, et j'ai aussi quatre ordinateurs qui sont connectés au des MUX. Donc, le premier PC1, il va communiquer avec le PC1, PC2 avec le PC2, PC3 avec le PC3, etc. PC4 avec le PC4. Donc, regardez comment ça se passe. J'ai combien de scrutations ici? J'ai combien de scrutations dans cette figure? Combien de rounds? 3, exactement, 3. Andy, le premier round en blanc, l'oul. Le deuxième round en mauve, fait 1, 2, 3, 4. Le troisième et dernier round en jaune. Donc, dans ce multiplexage synchrone, je dis bien, c'est un type de multiplexage synchrone, on dit 3 scrutations. Chaque scrutation fera un groupe de messages 1, 2, 3, 4. Et c'est toujours dans cet ordre-là. Vous remarquez que c'est toujours dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le multiplexage temporel synchrone. Maintenant, je fais la différence. Chauffons le multiplexage temporel asynchrone. Là, c'est un multiplexage temporel asynchrone. Je suppose que j'ai trois terminaux, T1, T2, T3, qui sont reliés à un multiplexeur. Ils doivent envoyer. Alors, how est-ce qu'ils doivent envoyer? Comme le terminal T1, donc on a 3. T1 émet le message A. T2, il émet rien T2. T3 émet le message D. T1 émet le message B. T2 émet le message C. T1 émet le message E. Alors, on a un jadwal.
باش تعرفوا لا ديفيرونس انتر ان ملتيبلكساج سينكرون وملتيبلكساج اسينكرون. في الملتيبلكساج سينكرون واش راح يصرى؟ مادام تي ان راح يبعث هو الاول، دونك عندي لو ميساج ا، يعني كتبت ا، تي 2 مور تي 1 اسكو يبعث تي 2؟ ما يبعثش، دونك جي ان سيلونس اسكو تي 2 ماشي يبعث، دونك جي ان سيلونس. تي 3 اي فا ايميتر لو ميساج دي، دونك عندي دي، ومن بعد تي 1 يعاود يبعث بي، تي 2 يبعث سي، تي 3 ما يبعثش، دونك سا فو دير عندي ان سيلونس. تي 1 يبعث او، T2 m'aibach ou T3 m'aibach, ça veut dire un des silences. Regardez combien de silences un des le multiplexage temporel synchrone, un des 4 silences. Alors que si j'utilise un multiplexage temporel asynchrone, mais un des la notion de le round. L'irndo une donnée ou je d'aibata. Donc le multiplexage asynchrone ou chahissa, il bat le A ou le W, ou bien il bat D, T3 il bat D, T1 il bat B. T2 يبعث T3 ما عنده ما يبعث دونك ما نبعثلوش T1 يبعث E A B C E fin. Donc remarquez que dans un multiplexage temporel asynchrone qu'est-ce que je gagne واش نربح في الاسينكرون par rapport au synchrone le temps d'exécution exactement نبعث le temps نربح le temps de transmission c'est-à-dire au lieu de ضيع هذوك les silences je suis obligé de le multiplexage synchrone même il y a une station mais عندها ما تبعث je suis obligé نعطيها le quantum je suis obligé نعطيها le quantum c'est-à-dire si elle doit si le quantum il est de 5 minutes donc je suis obligé نضيع هذوك les 5 minutes pour la station même il ما عندها ما تبعث نعطيها هذوك les 5 minutes دونك حنضيع الوقت par contre في الاسينكرون لا في الاسينكرون الى la station تاعي ما عندها ما تبعث Eh bien, je n'ai pas la main, je n'ai pas la main, je n'ai pas la Donc, on perd le temps. Par contre, au niveau de la synchrone, les gens disent ce qu'on appelle l'adressage. Parce que je trouve la séquence est A, D, B, C, E, mais elle n'est pas l'A à déterminer. On dit l'A à T1, ou D termine. D à T3, parce que T2 me brèche. Donc, les gens disent le message D, ou James termine à 3. Par contre, synchrone, non, je ne suis pas obligée de spécifier. Parce que je sais qu'il y a toujours cette notion de scrutation. D'accord, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, T2, T3. Alors, est-ce que vous avez compris la différence entre le multiplexage temporel synchrone et asynchrone? Voilà. Le synchrone, il y a cette notion de scrutation, il y a cette notion de round. D'accord? Je fais toujours un round ou une scrutation. Je passe toujours par les mêmes machines. Par contre, le asynchrone, non. Donc, l'avantage de l'asynchrone, c'est qu'il me fait gagner du temps parce que je n'aurai plus à gaspiller du temps pour les stations qui n'ont rien à transmettre. Alors, la concentration et la diffusion. C'est le dernier point que nous allons voir. Sur ça, donc mettre le proche. On va faire des exercices sur le multiplexage. Je te fais un mot. La concentration, c'est quoi la concentration? La concentration consiste en la réception d'informations sur plusieurs lignes pour permettre l'ensemble. La concentration consiste en la réception d'informations sur plusieurs lignes pour remettre l'ensemble sur une seule. La ligne est partagée dans le temps. La diffusion, c'est l'opération inverse. Donc, la diffusion, c'est le contraire de la concentration. La concentration regroupait plusieurs transmissions sur une seule ligne. Alors que la diffusion, c'est le contraire. C'est envoyer sur une ligne et transmettre à plusieurs PC, à plusieurs ETTD. C'est quoi un concentrateur? Vous vous rappelez qu'il connaît un chauffe-eau les équipes d'interconnexion, les réseaux, les lames, on a le droit les concentrateurs, ou ce qu'on appelle les hubs. Les hubs, c'est quoi les hubs? En fait, un concentrateur, c'est un multiplexeur asynchrone, temporel, intelligent, ou ce qu'on appelle le switch. D'accord? Ce sont les concentrateurs ou les commutateurs, ce sont des multiplexeurs asynchrone, temporel, intelligent, permettant d'assurer les fonctions de concentration et de diffusion. Ils allouent dynamiquement à la demande des tranches de temps aux ETTD qui ont un besoin. Pour cela,
Il doit assurer le stockage des données temporairement sur des mémoires tampons avant leur émission. Les blocs de données doivent explicitement contenir des informations de l'expéditeur. Vous vous rappelez l'adresse MAC avec laquelle le switch est la différence entre le switch ou le hub et le switch, le principe de l'adressage. Elle a dit qu'il arrive à faire ce qu'on appelle, il évite la diffusion, le switch, contrairement au hub. Le hub, il fait de la diffusion, il a recours à la diffusion. Mais le switch, puisqu'il a cette notion d'adresse MAC, donc il va éviter la diffusion et il va travailler avec ce qu'on appelle la commutation. Le concentrateur doit être capable de désynchroniser le traitement des différentes lignes qu'il multiplexe grâce justement à cette notion de l'adresse MAC. Alors, pour mettre en pratique donc, ce qu'on vient de voir comme notion, donc multiplexage fréquentiel, temporel, etc., on va essayer donc de revenir vers l'exercice 4, l'Ikhdemneh, je pense, la dernière fois, l'exercice 4. Donc, essayez, s'il vous plaît, de... Donc, de la série numéro 1. Arrêtez comme la série numéro 1. Plus précisément, l'exercice 4. D'accord? L'exercice 4 est un exemple de multiplexage temporel. Je fais l'exemple du multiplexage temporel. Dans l'exercice 4, on va traiter un exemple de multiplexage temporel synchrone. Mais avant de traiter la question 3, parce que le multiplexage, il est au niveau de la question 3, donc je vais lire l'exercice. Je pense que tout le monde a la série, d'accord? Soit la représentation électrique suivante des deux messages M1 et M2, suivant, transmis sur une ligne partagée par respectivement les deux ordinateurs, ordinateur 1 et ordinateur 2. Vous avez deux messages, le message M1 et le message M2. Et vous avez deux signaux analogiques. Alors là, vous allez me dire, madame, multiplexage temporel synchrone, en même temps signal analogique. Le temporel, mais il ne fait pas l'analogique. Le temporel, le multiplexage temporel, en général, c'est pour les transmissions numériques. Mais ça ne veut pas dire que nous avons une transmission temporelle. Nous avons l'analogique. Par contre, le contraire est faux. C'est-à-dire le fréquentiel, c'est exclusivement pour l'analogique. Qu'il y a un multiplexage fréquentiel, le FDM. Frequency Division Multiplexing. Le FDM, c'est exclusivement pour l'analogique. Par contre, le TDM, il peut être pour l'analogique, qui m'a fait l'exercice 4. On utilise un TDM au niveau d'un signal analogique. Et vous allez voir que l'exercice 6, ou après la panite, qu'il y a un TDM, ça pour un numérique. L'exercice 6, on utilise un TDM. Un multiplexage temporel, mais pour un signal numérique, comme vous arrivez à le voir. Aussi, on va le traiter. D'accord? Donc, lorsque je dis FDM, c'est exclusivement pour l'analogique. Lorsque je dis TDM, en général, c'est pour le numérique, mais je peux trouver un TDM pour l'analogique. D'accord? Donc, c'est le même principe. TDM, ça veut dire chaque station a un intervalle de temps sur lequel elle va transmettre. Donc, ici, au niveau de l'exercice 4, vous avez deux signaux analogiques. Le signal M1, alors, M1, c'est le signal discontinu. Vous pouvez noter ça. M1, c'est le signal discontinu. Et M2, c'est le signal continu. Après. Mais bon, pour le moment, je vous dis, M1, c'est le signal dit, le signal continu. Donc, le message M1 fait 8 bits ou le message M2 fait 12 bits. Alors, première question, aussi, on vous donne le delta qu'on va tirer du graphe. Donc, on suppose que le delta est 1 milliseconde. T de temps, c'est le milliseconde. Et le delta, c'est 1 milliseconde. S'il vous plaît, rajoutez les informations sur l'énoncé de votre exercice. Donc, vous les rajoutez. Il y a des notions qui manquent au niveau de l'exercice.
Par exemple, rajouter le delta, il est égal à 1 milliseconde. Parce que hadi ma qalou halkomch. Zido l'unité fil graphe, diro ms, l'unité terre le temps au niveau du graphe, c'est millisecondes. Vous la rajoutez. Et vous rajoutez m1 représente le signal discontinu. Et vous rajoutez les M2 représente le signal continu. Tout ça, vous devez le rajouter. Je quitte dire les révisions d'Yelcom, quitte à de traduire l'exercice, les données qu'il faut pour qui vous permettent de faire après l'exercice. Donc, ce que vous allez rajouter au niveau de l'énoncé, c'est le delta. Le moment élémentaire est égal à 1 milliseconde. Vous allez rajouter donc MS au niveau de l'unité de temps. Et vous allez associer chaque message à son signal, donc M1 signal discontinu et M2 signal continu. Maintenant, on peut aborder la première question. Donc, première question, donnez la technique de modulation utilisée par chacun des modems. Alors, qui roule comme chacun des modems, ça veut dire quoi? Ça veut dire les lignes basse vitesse. L'ordinateur de chaque ligne basse vitesse a d'abord un modem. D'accord, on représente l'image. Je vais vous faire une image. Je vais vous faire une image. Parce que là, je vais vous faire une image. On va faire une image. Naya, qui est le schéma? Qui va faire une image? Chaque ordinateur. Peut-être que je pourrais le rajouter ici. Attendez, j'essaie de voir si je peux. Non. Si les gens ressemblent comme le schéma. Oui. D'accord, mon fils. Maintenant, si ils ressemblent comme le schéma, j'arrive, Youssef. Donc, je vais insérer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une ligne basse vitesse. Comme là. On va mettre une deuxième ligne basse vitesse. Chaque ligne basse vitesse est raccordée à un modem. Voilà, donc c'est un modem. C'est quoi? C'est un modem. Je vais écrire M, modem. M pour modem. Bad. Le signal, parce que malheureusement le signal qui fait icône, signal icône numérique, qui joue à le modem, il est analogique. Parce que le signal qui est dans l'exercice, c'est un signal analogique. Ça veut dire que le modem est numérique. Il y a eu un modem. Le signal est analogique. Qui est le modem? Où est le modem? Il y a un mux. Il y a un mux. Un mux. Donc là, je vais ajouter un mux. Voilà. Donc là, c'est...
luxe. Une ligne haute vitesse. On dira un prochain hashuya. Pas facile de dessiner des. Voilà. Donc, Hnaya. Hado, basse vitesse. C'est des lignes basse vitesse. Voilà. Hadi, haute vitesse. Si vous voulez, là, le schéma est là. On va voir maintenant des mux. Oui. On a un des mux. Voilà, c'est le schéma que vous devez avoir. Voilà, donc le signal qu'bel le modem, qu'bel le modem, qu'bel le M, vous avez un signal numérique. Mort le modem, vous avez quoi? Vous avez un signal analogique. Alors, هنا, au niveau, l'exercice 4, soit la représentation électrique suivante des deux messages transmis sur une ligne partagée. هنا, on a l'impression que les messages sont superposés. Mais en fait, ils ne sont pas superposés. Il y a d'abord un premier message. On va dire, Jimora, un deuxième message. C'est-à-dire, pourquoi on voit des messages superposés? هنا, c'est juste par manque d'espace, qu'on a mis deux messages superposés, l'un sur l'autre. Mais il y a en réalité l'exercice, vous avez d'abord le signal M1, donc le signal discontinu, le signal continu. Voilà, j'ai essayé de schématiser, mais je te fais moi à peu près l'architecture de votre, l'architecture donc des lignes basse vitesse et haute. Pas facile de manipuler les schémas là-dedans. M1 et M2. Voilà. Donc, pour M1, examinons ensemble le signal discontinu. Combien d'états indiquent le signal discontinu? Alors, là aussi, les interfermes, une chose importante. Dans un signal numérique, un état, passer d'un état à un autre, revient de passer d'une valeur de tension à une autre. Par contre, dans un signal analogique, passer d'un état à un autre, d'accord, veut dire changer un des paramètres clés d'un signal analogique, à savoir l'amplitude, la fréquence ou la phase. Lorsqu'un seul de ces paramètres change, maintenant on change l'état. D'accord. Donc le signal discontinu, شحال عندي من état. شوفوا مليح le graphe تاعكم وقولوا لي في signal discontinu شحال عندي من état. 4. عندي 4 états, très bien. Le premier état,
Alors, je pense que c'était bien comme la dernière fois l'exercice ou là là là. Alors maintenant, les états d'y aller. Alors, on a de nous les nez, parce que nous avons comme les états. Exercice 2, exercice 4. Ainsi, pourquoi nous, c'est quoi les états d'y aller? Alors, les états d'y aller, premier état, donnez-moi le premier état. Les techniques de modulation. On a le signal M1 indique 4 états. Quels sont les états? Est-ce que vous pouvez parler en termes de fréquence, d'amplitude et de phase? L'amplitude A2. Très bien, donc A2. La fréquence F. La fréquence F, c'est mot F. Donc, on dit le téléphone. Chauffe le téléphone, donc on dit le téléphone. La phase 0. La phase 0. La phase 0, très bien. Deuxième état. Téléphone, je dirais téléphone. Voilà le téléphone. Alors, deuxième état. Amplitude A1. A1, F0. A1, F0. Oui. Troisième état. Amplitude A1, F, P. Péka. Yorbi. C'est très beau. Amplitude A1. FP et fréquence pi. Insertion. Et dernier état. A2 FP. A2 et pi. Voilà, donc on met les états d'y aller. Donc, qu'est-ce qui change ici? D'un état à un autre, qu'est-ce qui... L'amplitude et la phase. Voilà. L'amplitude va changer ou la phase va changer. Donc, quelle est la technique de modulation, Naya? La technique ASK de modulation. Voilà, ASK. Modulation de phase et d'amplitude. Et d'amplitude, voilà. Modulation de phase et d'amplitude. Maintenant, essayez de me faire la même chose pour le deuxième message, M2. Apprenez les états de M2. Chal indim état M2. Non, encore. Alors, maintenant, ça, le delta taoul, comme c'est 1 milliseconde, hein. Oui, 4 états. Donc, nous avons la même chose. Nous avons 4 états. Kif, kif. Même pour le deuxième signal, nous avons 4 états. Est-ce que vous pouvez me les donner, les états? A1. A1. 2F. 2F. Voilà. A1. Et puis. A1. Deux fois la fréquence. D'accord, parce que vous remarquez que le signal par rapport au signal Lowell-Wing, j'ai une seule oscillation. Le signal HADA, j'oscille deux fois. Maintenant, on dit deux fois la fréquence. Si je considère que la première fréquence c'est F, on dit deux fois F. Et la première phase, c'est pi. C'est le premier état. Deuxième état. A1, 2F, 0. OK. 2F. Ah non, pi. Pi. 2FP. Elle a. Non, mais chipi. Chauffé. Le signal a où il est allé le fort. 1 milliseconde. 0, 0. Voilà, c'est 0. C'est pas pi. 23e état. A2, 2F et. Pi, 0. 0. 0. 2F, 0. Et dernier état.
A1, F, A1. 0. A1, F, 0. Voilà. Donc, Madame, maintenant, oui. un état, il a une durée delta, c'est ça? Exactement, oui. Un état, il a une durée delta. Donc, هنايا شحال عندي واش عندي واش راهو يتبدل لامبليتود راهي تتبدل دي فوا سي A1 دي فوا سي A2 لا فريكونس راهي تتبدل على الانتيريور دو ميم دلتا جي فوا دي فوا جوسيل اون دوبل 2F دي فوا جوسيل اون فوا دونك جي دو فريكونس F اي 2F اي لا فاز ال شانج دي فوا سي بي اي دي فوا سي زيرو فوالا دونك سكي في كو هنايا لا تكنيك دو مودولاسيون par le deuxième modèle, c'est une technique ASK plus FSK plus PSK. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair déjà pour la question 1? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, qui fait du les états d'y aller? Qui fait du les états t'as le signal d'y aller? On va chauffer un état, la durée d'un état, donc je l'ai donné, c'est 1 milliseconde. Dans une fonction sinusoïdale qu'on a, il faut que les trois paramètres amplitude, fréquence et phase ne changent pas, parce qu'il suffit que l'un de ces trois paramètres change pour dire que je passe d'une valeur d'un état à une autre. D'accord? Voilà. Et donc, à partir de l'observation du graphe, sachant qu'un état est égal à 1 milliseconde, j'ai donné les états de chaque signal et j'ai déduit la technique de modulation utilisée par chaque modem. On a parce que au niveau de chaque ligne basse vitesse, on a un modem. Ça veut dire que l'ordinateur m'a directement connecté le MUX. Les 4 à l'exercice 4, l'ordinateur m'a directement connecté le MUX. Il y a d'abord un modem. Le signal numérique, les sort de l'ordinateur, en un signal analogique. Ou le signal analogique, ou il sort le MUX. D'accord? Donc, c'est-à-dire que nous avons un PC qui émet un signal numérique. Le signal numérique, il traverse un modem, il subit ce qu'on appelle une modulation, c'est-à-dire une transformation, le signal numérique, le signal analogique. Ensuite, le signal analogique, rahou yidkhol au niveau du multiplexeur, ou rahou yitbat après la ligne, la voie basse vitesse, les tarbat le mux, ma le démux. Donc, deuxième question, calculer la rapidité de modulation des modems, en déduire leur débit. Donc, hna lazem na'rof. Madame, oui. Madame, le MUX, j'ai sur un dispositif Wahdo ou là, mal modem? Là, là, Wahdo. D'accord. D'accord, merci. Le multiplexeur à Wahdo. Voilà, maintenant, on doit calculer la rapidité de chaque modem et le débit binaire de chaque modem. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer la rapidité et le débit? La rapidité, on peut la trouver de chaque modem, hein? Parce que la rapidité, on a le delta. On connaît le delta. C'est 1 sur delta. Ah, mais je me suis trompée la dernière fois. Alors, on a oublié la rapidité, c'est 1 sur delta. Hagda. R, c'est 1 sur delta. La rapidité, a dit l'inhesbouha 1 sur delta, c'est la rapidité tel modem ou tel mux? Modem. Vous m'avez dit l'inhesbou la rapidité tel modem. Hagda. Sahna qui en koulou, R, c'est 1 sur delta. Delta, hada. Est-ce que c'est le delta du mux ou là c'est le delta du modem? D'où est-ce que je tire le delta? Le delta, je le tire de quoi? Je le tire du graphe. Et le graphe représente quoi? Soit la représentation électrique suivante des deux messages M1 et M2 suivants transmis sur une ligne partagée. Donc le delta, c'est le delta, tu as le multiplexeur, ce n'est pas le delta, tu as le modem. C'est-à-dire la rapidité, c'est la rapidité, tu as le multiplexeur. Et pour trouver la rapidité du modem, je dois diviser la rapidité du mux par 2. Parce que je sais que la rapidité du mux, c'est la rapidité de M1 plus la rapidité de M2. D'accord?
Est-ce que tu peux tout nous dire? تبعتوني متى قلتينا لا رابيديتي دو ملتيبلكسور سي لا رابيديتي تاع ام 1 والام 2 هي هذا قانون هذا قانون عام بالنسبه لكاع لي تيب دو ملتيبلكسور لا رابيديتي دو موكس سي لا سام دي رابيديتي دي لين باس فيتاس شفناه من قبل فولي جو بو ريفينير دوسو وي وي جو بو ريفينير دوسو دونك القانون هذا شفناه هنايا فوالا Regardez, je venais de nous parler du multiplexage fréquentiel, les lois sont valables même dans le cas du multiplexage temporel. Et la rapidité de modulation du multiplexeur, Rmux, c'est la somme des Ri. Donc, là, ce qu'on est en train de calculer, on est en train de calculer, on sait que le delta, c'est 1 milliseconde. Et on sait que la rapidité de R1, est égal à la rapidité de, R2, de R2, oui, parce qu'en fait, les deux modems, peut-être qu'on n'a pas dit au niveau du message, mais il faut dire que les deux modems ont les mêmes caractéristiques, d'accord? Donc, on va supposer que le modem M1, il a les mêmes caractéristiques que le modem M2, donc sa rapidité est égale à la rapidité de R2, est égale à 1 sur le delta, donc est égal à 1000 baud. En fait, là, c'est la rapidité... R1 égale R2 égale 1000 baud. En fait, non, ici, c'est Rmux qui est égal à 1000 baud. Et on va dire que R1 plus R2 est égal à 1000 baud. Voilà. Rmux est égal à R1 plus R2 est égal à 1 sur delta, c'est 1000 baud. Ce qui nous amène à dire ici, R1 égale R2 égale 500 baud. Est-ce que Femme Toa est à 500 baud? Femme Toa est à la rapidité en 2. Parce que le delta, c'est le graphe. Ou le delta, c'est le graphe, il représente quoi? Il représente les signaux, d'accord, suivants, transmis sur une ligne partagée par respectivement les deux ordinateurs, ordinateur 1 et ordinateur 2. Donc le graphe, c'est c'est le graphe qui sort le signal, qui sort le multiplexeur, qui sort le graphe. Donc, le delta qui est donné ici, le delta, c'est le delta du mux. Et le delta du mux, il me permet de calculer la rapidité du mux. Et puisque je suis au niveau d'un multiplexage temporel, je peux dire que la rapidité du mux, c'est la rapidité de R1, du modem 1 plus la rapidité du modem 2. Et donc, si je veux calculer en fait R1 et R2, je dois diviser la rapidité du mux par 2. Voilà. Maintenant, par rapport au débit, pour le débit, j'utilise la loi qu'on connaît, la loi classique. Le débit, c'est N fois R. Donc, R, c'est 500. Par contre, il faut que je trouve le N. Pour trouver le N, il faut trouver la valence de chaque signal. Donc, la valence du signal discontinu, elle est de combien? Pour calculer la valence, soit que l'on dit un message fait 8 bits, donc c'est moi la 4 états. 8 sur 4, ça donne 2. Donc la valence d'y aller est égale 2. Donc, on va mettre 1 bit par delta. Plutôt 2 bits par delta, parce que c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. D'accord? Donc ici, je vais dire que le débit 1, c'est R, c'est 2. Fois 500, ce qui me donne 1000 baud. Et pour le signal discontinu, un des 12 bits que je divise par 4 états, donc 1 égale 3, la valence d'y aller est égale à 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc N2 égale 3, le débit 2 c'est N2 fois R2, donc c'est 3 fois 500. Pardon, 1500 bits par seconde. Madame, on a à partir des modulations utilisées pour chacune, enfin pour chacun des modems. Comment? Me fais un petit sourire. Me smash. Je continue?
مادام لهنا بوغ بوغ لافونس نقدر نعرفوها سوا كيما قلت Et voilà, deux amplitudes, une fréquence et deux phases. Maintenant, deux fois un fois deux, c'est quatre. Oui. Oui. Voilà, c'est comme ça que nous avons la valence. La valence, soit la taille du message comme sur le nombre d'états le graphe, donc la valence, soit, comme a dit votre collègue, vous avez le type de modulation. Donc, il y a une modulation d'amplitude et de phase. Il y a deux amplitudes et deux phases, donc deux fois deux, c'est quatre. Ce qui fait que la valence est égale à 4 de la puissance 2. Ouf, le deuxième signal, on dit deux amplitudes, deux fréquences et deux phases. Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. En fait, là, on a les états possibles que je peux construire avec deux valeurs d'amplitude, deux valeurs de fréquence et deux valeurs de phase. Donc, c'est 8, c'est 2 à la puissance 3, on trace le n. Voilà, donc là, c'est une remarque importante. Madame Kalou, comme les messages hadourahomit bertouf la voix haute vitesse, donc le delta litrajo, c'est le delta de mux. Donc, Madame Kalou, comme head les messages rahomit bertouf la voix bin l'ordinateur et le multiplexeur, à ce moment-là, n'a pas barbelé le delta roi 1 milliseconde, mais chez le delta du mux. Donc, il faut, en fait, il faut faire très attention. Soit la représentation suivante des deux messages suivants transmis sur, là, par exemple, deux clés lancées, chauffons. J'ai dit soit la représentation suivante des deux messages transmis sur j'ai changé la ligne partagée et j'ai mis des lignes basse vitesse, d'accord, tout dépend l'énoncé. Alors je vais garder transmis sur une ligne partagée, on a une fin mot, donc tout dépend de l'énoncé. Donc, les modems ont les mêmes caractéristiques. Parce qu'on a supposé que un autre exemple, le signal il est donné sur la voie basse vitesse. Là, le signal, si on suit l'exercice, le signal qui est représenté ici, il est représenté sur la voie haute vitesse. Donc, le delta que je déduis à partir du graphe, c'est le delta du multiplexeur. Et donc, la rapidité que je calcule, c'est celle du multiplexeur. Donc, pour trouver la rapidité des modems, je suis obligée de diviser la rapidité du mux par deux. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, je m'arrête ici. Ou la question 3 et 4, on va la traiter prochaine séance. Notre prochaine séance, c'est le jeudi. Jeudi 13h ou la jeudi À la belle, il y a une séance jeudi en ligne. Jeudi 13h. 11h. 11h maintenant. Al-Hdash. Je suis d'habitude en fait le mardi, madame. Tout mal à B ou la lacé? Tout mal à C? C'est normalement.